Bon, bonjour, merci de cette opportunité de partager avec vous les recherches que je mène. À coup sûr, vous m'avez entendu parler par le passé des usines de pâte à papier, mais ce n'est pas de cela dont je vais vous parler, heureusement, pour vous et pour moi aussi. Et ces projets de recherche, cette ligne de recherche qui concerne le gouvernement du développement et de l'environnement et des tensions et des conflits qui l'entourent à travers des instruments, notamment l'évaluation d'impact et les meilleures techniques disponibles. Je continue aujourd'hui de les poursuivre, mais plutôt dans le cadre d'une valorisation des recherches que j'ai pu mener au cours de mes années de thèse, et notamment à partir d'inscrire mes terrains et mes conclusions des années de recherche dans des discussions qui sont en cours dans différents espaces académiques et qui se manifestent à travers des projets de publication ou de numéros spéciaux dans des revues. Et par exemple, il y a eu une publication récente sur Knowing Governance, un projet éditorial dirigé par Jan-Peter Voss et Richard Freeman, où j'ai publié ces travaux et j'espère continuer à mettre ça en valeur. Mais ce n'est pas de ça dont je vais vous parler. Je vais bien vous parler d'une autre ligne de recherche, qui est la deuxième, et qui porte sur le numérique comme champ méthodologique et un champ d'opportunités et défis dont je vais vous parler, et qui poursuit par ces moyens une réflexion cadre sur les tensions et les négociations entre développement et environnement, mais dans le cadre de la politique climatique globale. Et donc, pour cela, ici, d'accord, merci. Et pour cela, je vais vous raconter très brièvement l'histoire de deux enquêtes dont... je vais vous raconter l'histoire des deux enquêtes qui portent une qui a été finalisée, mais sur laquelle je continue de travailler sur des nouvelles questions. Donc, il s'agit d'un certain retour d'expérience, mais en vue de penser les perspectives futures d'une autre enquête en cours, dont je vais vous présenter l'état d'avancement. Donc, l'idée, c'est de penser les opportunités et les défis qui posent le numérique pour la cartographie de la politique mondiale et les débats dans deux espaces. Le « in » de la négociation climatique, c'est-à-dire ce qui a lieu dans l'enceinte et fermée des négociations entre États et au sein de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, et ce que j'appelle le, non pas le « off » de la COP, ce qui a lieu autour de chaque événement annuel de la conférence de parties, mais plutôt le « out there » du web social. Comment les questions dont vie et substance au débat sur la politique climatique mondiale sont discutées dans cet espace du web social. Donc, deux enquêtes exploitant chacune un type spécifique de traces numériques pour en faire des données différentes. Donc, l'un, c'est un corpus de taille « medium », disons un medium data corpus, et non web native, c'est-à-dire qui n'est pas d'origine propre du web, c'est-à-dire qu'il s'agit des documents numérisés, donc il s'agit des traces numériques, mais dont l'origine ne sont pas les interactions des individus ou des sujets sur le web, mais bien des interactions dans l'espace réel qui ont été transcrites et puis digitalisées. Donc le deuxième corpus est proprement big, donc c'est un grand corpus des traces qui est effectivement issu du web, qui est né dans le web et qui résulte des interactions des individus dans différentes plateformes. Donc l'idée pour le débat, parce qu'il s'agissait aussi quand même non seulement de vous raconter ce que j'ai fait, mais d'essayer d'animer un peu les débats à 15h de l'après-midi, ce qui est un challenge assez important. Donc, il y a une idée qui me travaille depuis quelques temps, et celle de la régression de l'expérimentateur numérique. Et idée que je tire, bien évidemment, de Collins et son problème de la régression de l'expérimentateur en physique quantique. Donc, l'idée, c'est comment... là, il y a un problème dans le texte. C'est comment faire la part entre ce qui est un signal
Et ce qui est du bruit quand on a affaire à des traces numériques très hétérogènes. Donc, et qu'on est en train de travailler avec des instruments qui sont pour des instruments et des méthodes numériques, des outils de visualisation, de quantification, d'analyse textuelle, etc., qui sont pour la plupart en développement. Par exemple, Cortex est un outil relativement récent, même si il est établi sur des techniques plutôt bien rassurées, mais de toute façon, c'est un outil qui est en train de se développer. Donc, comment est-ce qu'on sait que les outils marchent et qu'ils nous donnent un signal auquel l'outil, en fait, ne marche pas, il est en train de nous donner constamment du bruit. Donc, j'espère que vous comprendrez mieux, peut-être, quand je vais illustrer cela avec deux exemples. Mais, in fine, ce qui me guide à vous parler de ça, c'est en quelque sorte un challenge que je me suis posé à moi-même en m'embarquant sur ces questions du numérique, vis-à-vis lesquelles j'étais plutôt méfiant au début. J'étais sceptique, venant du centre coréen, je me suis dit, bon, c'est très fancy, c'est très trendy, et c'est très hype, mais qu'est-ce que ça donne, ça, finalement? Quand on veut dire des choses substantielles sur les questions qui importent, des questions... En ce cas de politique environnementale, avec ces méthodes, qu'est-ce que l'on peut dire des substantiels et comment le faire? Donc, j'essaye d'apporter une réponse plutôt nuancée et sobre à ce type de choses, à une époque où l'on fait plein de promesses sur les big data en sciences sociales. Donc, la première enquête, c'est la cartographie de la trajectoire du thème et de l'adaptation, thème cadre qui concerne bien entendu plusieurs sous-thèmes, et dans le cadre de l'IN de la négociation climatique pendant 20 ans. Donc la négociation climatique, vous la connaissez très bien, on a entendu plusieurs reprises Stéphane et Ami, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais le défi consiste à savoir s'il est possible de reconstituer la dynamique d'un débat entre 196 partis, dont des États et l'Union européenne, et au cours de 20 ans de négociations, entre 1995 et 2015, à partir de la constitution d'un corpus des données et de leur traitement numérique et leur visualisation. Donc, le premier défi, bien entendu, c'est de trouver un corpus des données adéquat à traiter cette question de l'adaptation dans cet espace. Ce qui implique, d'une certaine manière, de cartographier toute la négociation pour pouvoir contraster sur le fond des thèmes, de l'ensemble des thèmes qui sont discutés, celui de l'adaptation. Sinon, on va avoir juste une mesure absolue de l'adaptation sans positionnement relatif par rapport aux autres thèmes qui sont discutés. Donc, heureusement, il y a des moments que l'on peut dire de bonheur dans la recherche où on tombe sur des choses magnifiques qui peuvent nous donner du travail pendant plusieurs années. C'est le cas du Earth Negotiation Bulletin, une série de rapports produits à chaque jour de négociation et distribués numériquement sur l'interface de l'IISD, l'Institut International Institute for Sustainable Development, et qui met à disposition des comptes rendus qui sont faits au jour le jour par une équipe des rapporteurs. Donc ils ont plusieurs doctorants et spécialistes des questions du développement et de l'environnement qui suit 26 processus des négociations internationales sur le développement et l'environnement, pas seulement les négociations climatiques. Les négociations climatiques sont présentées dans ce qu'on appelle le volume 12 des rapports de l'Earth Negotiation Bulletin, qui sont disponibles sur la page web. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a les rapports au jour les jours depuis le premier jour de négociation en 1995 jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la COP de Paris. Donc on a un rapport qui présente, et c'est ça ce qui est très intéressant, la même structure du début à la fin. Donc c'est un corpus extrêmement homogène et que, comme j'ai montré là, ce qu'on voit là, je ne sais pas si on voit là, ça c'est les guidelines pour la production des rapports et pour l'écriture des rapports. Donc c'est des documents qui sont très contraints dans leurs conditions de production. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, en tant que chercheurs, nous, on peut avoir accès aux conditions de production de ces données. Bon, bien entendu, on n'a pas vu travailler et ces jeunes doctorants que l'on peut considérer comme des enquêteurs des terrains par procuration, d'une certaine manière, de là l'idée de corpus proxy. Mais
à partir de ces documents, on a un proxy par lequel on peut accéder à 20 ans de négociations. Donc, je vais aller très vite maintenant. Ça, c'est un exemple des textes. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a des États, des groupes des États, des verbes qui impliquent une expression, et on a des entités nominales, climate finance, qui, d'une certaine manière, condensent les sujets, les issues d'inquiétude qui sont discutés, donc les objets de la discussion. Et puis, on a aussi, voilà, c'est tout. Les verbes expriment des modalités lamented ou describe. On a un verbe plutôt négatif, comme lamented, et un verbe plutôt neutre, comme describe. Donc, tout cela présente un potentiel énorme pour l'analyse textuelle du fait de la structure du compte rendu. Et donc, nous, on s'est concentré pour l'heure sur les entités nominales, sur les termes qui représentent des issues. Donc, une fois qu'on a le corpus, qu'on a franchi la première étape, on doit trouver le bon outil pour l'exploiter, chose qui n'est pas évidente. Maintenant qu'on fait, quand je raconte les choses rétrospectivement, tout semble aller de soi, mais quand on est dans le vif, c'est pas tellement comme ça. Donc, effectivement, on a décidé de travailler avec Cortext, du fait de sa puissance et pour l'analyse textuelle, et aussi du fait de la proximité avec un expert de Cortext. Chose qui est très importante quand on travaille avec des outils qui sont en développement. C'est rare les ressources humaines accessibles qui nous fournissent l'expertise pour la maîtrise d'un outil nouveau. Donc, heureusement, j'ai eu la chance de pouvoir travailler de très près avec Jean-Philippe Cointet, chose qui m'a permis de mener ces recherches. Donc, ce sont des recherches qui sont menées en équipe et on l'a fait en collaboration avec d'autres personnes, au Media Lab, par exemple. Mais, grosso modo, on a travaillé de façon très proche avec Jean-Philippe et on continue de le faire aujourd'hui. Donc, ce que nous permet de faire Cortex, c'est d'extraire des entités nominales, de structurer le corpus et d'identifier, de projeter des termes, de voir à quelle thématique cadre que nous on définit sont associés ces termes. Là, on peut voir le texte paragraphe par paragraphe. Les entités nominales qui ont été identifiées sont un tout petit peu plus en gras. Et ici, on a ajouté des labels que nous-mêmes on a conçus sur la base d'une analyse textuelle préalable qui nous a indiqué quels étaient, comment clusteriser ces extractions des termes à partir d'une analyse de co-occurrence et de détection des communautés. Donc, on a tout classé dans le temps. Donc, cela nous permet de produire deux graphes qu'on a produits. Le premier, et celui-là est une extraction de Cortex qui a été modifiée par Jeffy. La qualité n'est pas très bonne, mais c'est juste pour vous montrer très rapidement comment on peut, à partir de l'analyse des co-occurrences des termes extraits, je tiens à souligner que la machine nous a donné 7000 termes et nous, on n'a laissé qu'après la purification ou la distinction entre le bruit et le signal, on n'a laissé que 300 pour faire émerger quand même un graphe parlant. On a 12 thèmes cadres qui peuvent être identifiés par une interaction entre le chercheur et la machine. C'est-à-dire, là, il y a une sorte de négociation entre l'algorithme qui nous balance des choses plutôt, des fois, pas trop claires, et à partir de sélection et de triage des mots, de sélection stratégique de certains termes qui peut-être peuvent conduire à faire énormément de bruit sur la clusterisation, on a obtenu une image qui nous donne une représentation des comment les termes se structurent en 2013, après 20 ans de négociations. Donc c'est ça l'espace thématique des négociations. Donc j'ai mis un exemple d'un zoom sur le cluster que nous on a tagué expertise scientifique, modèles et IPCC, et qui montre très clairement l'objectif de la convention, la stabilisation des émissions, des concentrations de gaz à effet de serre. Et c'est intéressant comment s'est produit une partage dans l'association des termes, c'est les mitigation options et l'adaptation options. Ce qui est intéressant aussi, je ne veux pas m'attarder sur l'analyse de réseau, mais c'est la centralité des questions qui sont liées aux impacts du changement climatique, impacts sociaux et environnementaux, aux vulnérabilités et aux politiques d'adaptation et au funding. La deuxième image qu'on a produite à partir de ces données, c'est une projection dans le temps de ces 12 clusters des sujets. Donc on a fait un décompte des paragraphes qui portent au moins deux termes qui ont été attribués à un cluster. Et donc ces décomptes
nous permet de donner une épaisseur au flux thématique qui se déploie dans le temps. Et en triant, en rangeant les différents flux par ordre décroissant, on peut voir l'importance relative à chaque COP de la question discutée. Ainsi, on a en premier lieu la question du financement de l'adaptation. En deuxième lieu, on a les questions des émissions de gaz à effet de serre et de leur réduction. Puis les engagements. Ah non, ça c'est le transfert des technologies et les énergies, dont on a des termes type énergie renouvelable, mais aussi enabling environments pour de partenariats publics-privés, etc., etc. C'est tout ce qui concerne au transfert de capacités du sud et du nord, vers le nord, pour soutenir la lutte contre le changement climatique. Après, on a bon, la question des modèles et de l'IPCC, et on a, bon, etc. On a 12 thèmes, je pourrais revenir là-dessus après. Ce qui nous intéressait à nous, c'était d'identifier particulièrement les thèmes qui avaient trait à la question cadre de l'adaptation par rapport à tous celles qui relevaient de l'atténuation, mitigation, donc la réduction des émissions, que ce soit par des mesures de déforestation ou la réduction des énergies, des émissions fossiles. Donc voilà ce qu'on peut voir, ce que j'appelais le haut plateau de l'adaptation, c'est comment à un déterminé moment, il y a un point d'inflexion où la question des politiques d'adaptation et de la vulnérabilité comme objet des politiques devient centrale dans la négociation. Donc après, justement, on peut faire l'analyse et expliquer pourquoi à chaque moment il y a un point d'inflexion dans le graphe, pourquoi pendant plusieurs années jusqu'à au moins 2003 les politiques d'adaptation ont été un sujet passé sous silence ou écarté ou négligé de la négociation et pourquoi ça monte en puissance à partir de la COP de Buenos Aires et en amont depuis la COP de Delhi où se passent déjà des choses très importantes. Et pourquoi aussi, on peut s'interroger, on voit à partir des Cancun une stabilisation en termes de l'importance relative, c'est-à-dire que l'importance relative, le sujet de politique d'adaptation est plutôt bas, mais l'importance absolue est considérable. Par contre, ce qu'on peut voir aussi à partir de l'analyse des flux des thèmes dans le temps, c'est l'importance constante du thème du financement de l'adaptation. Donc finalement, ce que toute cette analyse par une distant reading de l'histoire des négociations à partir de ces traitements numériques nous permet de constater que finalement, le grand sujet de discussion qui fait le bulk des conversations, c'est qui va payer ? Qui va payer pour les dommages du changement climatique et comment on va distribuer l'argent et par quel mécanisme, etc. Et quels sont les critères des equity qui doivent fonder le financement, non seulement de la lutte, mais surtout des impacts du changement climatique. On peut voir que la question était portée au début par la OCIS en 1995, même avant la mise en œuvre de la COP, c'est-à-dire la dernière International Negotiation Convention de la Convention. Donc, mais puis, elle a été passée sous silence parce qu'on discutait fondamentalement des mécanismes de Kyoto, etc. Et puis, à partir de la crise de la haie, et ensuite avec le retrait des États-Unis des Kyoto, du protocole de Kyoto, on a une montée en puissance des discussions des pays développés. Donc, ce qui est intéressant, c'est de s'interroger sur les périodisations de cela. Ici, on peut voir, ça c'est une autre fonction du cortex qui nous permet d'extraire des périodisations à partir d'une analyse des co-occurrences sur l'ensemble des mots. Donc on peut établir deux matrices, et ici la version simplifiée, qui nous montre clairement quatre périodes, l'une allant jusqu'à l'adoption des Kyoto, l'autre allant des Kyoto jusqu'à la crise de la haie en 2000, l'autre de la crise de la haie en 2000 jusqu'à Copenhague, et de Copenhague au présent. Donc voilà, et à partir de cela, on peut par exemple avoir des discussions avec des auteurs qui ont proposé des périodisations, des négociations, comme Gupta, Robert Sekan, particulièrement pour l'adaptation, ou Aikut et Dahan, sur l'ensemble des 20 ans de négociations. Donc, toutes ces réflexions et analyses que j'ai faites, bien entendu, sur analyse, sur une lecture de la littérature, J'ai présenté les méthodes dans cet article avec Jean-Philippe, qui est paru sur Resson, et que, selon me dit, Patrice Flichy marche très bien, donc je suis très content de cela. Donc, l'idée du titre ici de cartographier la trajectoire de l'adaptation, changer d'échelle, réduire, redire la complexité avec ce jeu de mots, c'est que finalement, à un moment ou à un autre, on peut être bien content d'avoir fait le graphe, mais il faut dire quelque chose de ce graphe, que ce soit devant une salle,
un public académique ou d'ONG ou des décideurs politiques, ou qui ça dépend, mais aussi un public académique. Là, donc il faut à un moment passer au récit. Yes. Et donc, ce que l'on peut voir ici, c'est un changement d'échelle qui nous permet de passer de la complexité, de la localité, etc., de la particularité, à travers une série d'étapes de traduction jusqu'à les graphes et les publications scientifiques. Donc j'ai repris ça de la tour de Pédophile de Boa Vista. Ça me paraissait une bonne façon de parler de la robustesse du graphe. On peut en discuter par la suite et de cela. Je vais être très bref sur la deuxième. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire, sauf le défi qui pose la nouvelle enquête sur laquelle je m'embarque. Ici, on n'a plus affaire à un corpus très hétérogène et petit, mais un corpus énorme et très hétérogène. Donc, il s'agit d'une participation dans le cadre du projet Climacop, qui est financé en partie par l'IFRIS. Et donc, il s'agit de voir les débats, les conversations autour de la COP interne dans l'espace du web social. Et je vais vous présenter très vraiment la question de l'1,5 degré dans une minute. Donc, on le sait bien, à Paris, les manifestations sur la rue ont été interdites. Et donc, c'est intéressant d'aller regarder qu'est-ce qui se passe dans le reste du monde, dans l'espace du web social. Ici, on a une image des tweets qu'il y a eu autour du monde. On a environ 3 millions qui ont été récoltés par l'Influence et qui sont disponibles pour nous à travers la plateforme d'exploration des données Radarly. Et c'est un service que l'Influence nous donne dans le cadre du master NUMI, dans lequel je mène un cours d'enquête numérique sur cette thématique. Donc la semaine prochaine, on va travailler avec Jean-Philippe Pointet et une vingtaine d'étudiants autour des défis de faire sens de cette masse des données. Ici, par exemple, un exemple des requêtes Twitter COP21 1,5 degré, virgule 5, donc ça veut dire que c'est des langues non anglo-saxonnes. Ça me donne 450 000 et Twitter seulement. Donc ici, quand j'ajoute 1,5 et donc des langues anglo-saxonnes aussi comprises, donc là on a 10,4 000. Et donc ici seulement ce qui était dans l'anglais. Donc ce qu'on va faire, c'est processer tout ça avec Cortex, encore avec Jean-Philippe. Et ce qu'on a fait récemment, c'est faire une extraction nominale des tweeters et voir quels sont les termes employés dans les tweeters. Le Twitter est un défi parce que c'est 140 caractères, mais heureusement, on a des très nombreux tweeters. Donc ici, il y a une classification des comptes Twitter et des termes qui peuvent apparaître. Et donc, ce qu'on a fait, c'est essayer de voir comment on clusterise autour des différents thèmes. Ça, c'est une visualisation des tweeters portant sur le 1,5. Donc, ça, c'est le 1,5 sur l'absolu. Et on voit, par exemple, une clusterisation très forte. Ici, c'est un groupe environnemental qui s'appelle Eco-Internet. Et c'est Eco-Internet qui a plusieurs sub-sites et que, bon, ça renvoie la balle énormément, donc ça crée un grand cluster, mais qui parle surtout des protest emails, bon, climate goals warming climate, country efforts, et bon, et quelque part, il y avait just transition, qui était une question qui était portée par les syndicats, notamment. Donc c'est intéressant de voir comment certains comptes Twitter, certains acteurs qui sont derrière, sont associés à certaines questions ponctuelles. Donc ici, un graphe aussi du défi de, bon, finalement, comment est-ce que, à quoi on va aboutir, ça, on ne le sait pas. On espère pouvoir faire émerger du bottom-up une structure qui nous permette de faire sens des dynamiques, des conversations, si conversations il y en a, peut-être il n'y en a même pas, sur l'espace du web cerveau autour de la COP21. Donc voilà un bilan des deux projets dont je vous ai parlé. Merci beaucoup. Bon, merci Nicolas. En fait, la question, elle est toute simple et c'est la continuation de la question qu'on s'est posée à chaque fois qu'on a utilisé ce type de cartographie, en particulier quand on avait utilisé Résolu, etc., qui est que la production de ces graphes-là est extrêmement fascinante, qu'en même temps, c'est ce que tu as dit sur à un moment donné, pour pouvoir en dire quelque chose, il faut passer au récit et à un moment...
et que ce passage au récit ou au commentaire ou à l'interprétation, en fait, il suppose une sacrée connaissance du champ, du milieu, des enjeux, et qui est peut-être même indispensable à la production de graphes, qui est un minimum de sens. Là, ça renvoie à ce que tu évoquais sur voilà, trier les bons mots, faire sortir des choses qui soient interprétables, pas seulement au sens de chaos, mais aussi au sens de questions. Donc là, ma question toute simple, c'est est-ce qu'avec ça, vous avez appris quelque chose de neuf ? Oui, merci. Moi, il me semble que les deux corpus, en fait, et les deux volets visent des objectifs qui sont différents. Le premier, effectivement, il s'agit de saisie de verbatim de la négociation. Le second, il s'agit vraiment d'interaction sur Internet. Donc, il me semble que le traitement doit être très différent, parce que ce que permet le premier, c'est effectivement de périodiser les débats, de voir quel est le contexte sémantique de l'émergence d'un certain nombre de thématiques que tu essaies de traquer. Et je pense que les illustrations que tu as données sont assez pertinentes. Pour le second, c'est complètement différent. En fait, je pense que là, l'objet de recherche doit aussi prendre en compte ce que c'est que le cyberspace et qu'est-ce qu'il fait à la négociation, qu'est-ce qu'il fait à la fabrique de nouveaux cadres, de la propagation d'opinions, etc. Et je me demande si, de ce point de vue, les tweets ne sont pas un peu limités, parce que autant quand tu suis des blogs, tu peux effectivement voir des phénomènes de propagation, autant quand tu suis des tweets, je ne crois pas que ce soit possible, parce que, enfin, tu connais, enfin bon, je connais rien aux tweets, donc je ne vais pas aller, mais c'est ça la question, c'est-à-dire qu'il me semble qu'il y a une partie des études numériques qui doivent porter aussi sur la numérisation, sur le phénomène de numérisation, et sur le fait que discuter dans le cadre du cyberspace, c'est pas la même chose, et ça fait aussi quelque chose aux négociations et à ce qu'on pourrait appeler le réel. J'ai à répondre, donc effectivement, comme je disais, je ne peux que répéter toutes les affirmations que tu as faites sur le besoin d'expertise, tant pour la production, le triage des données, la sélection, etc., que pour l'interprétation. Effectivement, c'est pas de la vulgarisation, c'est pas des graphes qui peuvent être utilisés ou interprétés ou dont n'importe qui peut faire sens. Effectivement, j'avais mis là, par exemple, ça. Si on a appris quelque chose de nouveau, oui, effectivement, le graphe et le processus de recherche sert constamment comme catalyseur de nouvelles questions auxquelles on s'est heurté et qu'on a dû aller chercher, interroger par des méthodes traditionnelles, et ou aller dans le corpus, ou aller regarder la littérature, ou aller interroger des experts. On a fait des tests où on a été avec des négociateurs qui se sont confrontés au graphe. Et par exemple, on peut se demander pourquoi, à ce moment si précis, le tuyau qui concerne le Clean Development Mechanism est en deuxième place, et pourquoi surtout, et quand on voit le Clean Development Mechanism ici, on voit la question du leakage. Qu'est-ce que c'est que la question du leakage et pourquoi est-elle reliée à la question du financement, etc. On peut commencer à s'interroger à partir des phénomènes qui, soit ils nous rassurent, ils nous confirment sur nos connaissances déjà acquises, soit elles les mettent à mal. La tendance est à les confirmer pour la plupart, ce qui montre la robustesse des outils qu'on a utilisés, et que ça montre aussi qu'il y a une certaine cohérence. Hein? Oui, effectivement aussi. Si on pense à la régression de Collins, mais comme ce que vous avez utilisé toutes ces informations pour stabiliser la forme finale du graphe. Mais voilà, effectivement, c'est comme ça qu'on a tranché, d'une certaine manière, la régression de l'expérimentateur. C'est parce qu'on a des connaissances qui viennent de par ailleurs. C'est qu'on ne baigne pas dans l'ignorance. L'opportunité et aussi le défi du nouveau corpus, et là, j'ai répondu à la question des Pierre Benoît. Effectivement, on a affaire à une enquête d'une nature toute différente. Mais j'ai essayé de comparer. On a des proxys des natures différentes, un corpus de compte rendu bien défini qui porte sur un espace d'interaction humaine, et puis un espace d'interaction humaine qui a lieu directement sur le web, mais sur des plateformes qui ont des contraintes spécifiques. C'est pas la même chose s'exprimer sur Facebook que de s'exprimer par un statut de Facebook, surtout qu'il y a des statuts qui sont privés et des statuts qui sont publics, surtout des organisations qui l'utilisent pour faire des commentaires. Puis les Twitter, pour la plupart, sont publics, c'est rare les comptes Twitter privés.
Mais il y a des différentes des natures et d'utilisation, et il y a, disons, une politique différente à l'usage de chaque plateforme et des contraintes techniques aussi. Et il y a aussi le blog dans ces corpus. Donc, je ne vais pas trop entrer dans les détails, mais on a différentes plateformes. On a Facebook, Twitter, Instagram, Google+, que honnêtement, ça n'apporte rien, c'est tout petit, YouTube, Dailymotion, des blogs récoltés par LinkedIn systématiquement depuis très longtemps, des médias, qui sont des médias web liés aux journaux traditionnels pour la plupart, mais certains non. Par exemple, Le Monde n'est pas là. Le Monde Online, je n'ai pas eu d'article, mais The Guardian, et il est là. Alors, des processus de diffusion, et ils sont retraçables par une fonction qui s'appelle clustering, qui permet de suivre les liens. Par exemple, il y a un des liens les plus diffusés, c'est un article de The Guardian sur... Le risque d'échec, je ne me souviens plus quel était exactement le titre, mais c'était un titre très parlant et avec une charge plutôt négative. Et donc on peut bien suivre comment il a été, comment il passe de la sphère publication, média, par le Twitter de l'auteur lui-même qui le diffuse, et puis il est retweeté. Et on a des indicateurs sur l'impact. Ici, je n'ai pas mis des slides et de toutes les fonctionnalités parce que c'est vraiment une plateforme d'exploration de données énorme. Alors, face à cette énormité, il faut quand même bien délimiter les corpus que l'on va travailler vis-à-vis des questions qui aussi interrogent. Et là, on bouge de l'interrogation sur les politiques climatiques en tant que telles ou comme substance, pour aussi s'interroger sur les caractéristiques de l'espace public numérisé sur lesquels ces débats ont lieu désormais. Donc voilà, c'est un chantier nouveau sur lequel je m'embarque peu à peu par la force des choses, d'une certaine manière. Mais effectivement, c'est toute une littérature qu'on travaille dans le cadre du cours Noumi.